Hey, salut à tous et bienvenue sur Soapy Décalé Sport. Alors, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le club de foot du Spartak Prague. Alors, je suis allé à Prague il y a quelques temps et je vous ai ramené quelques petits objets concernant le Spartak de Prague. C'est bon, c'est parti! On commence par le petit pull. Voilà, petit pull qui est bien sympa. Ensuite, j'ai acheté le petit fanion du Spartak Prague que voici, qui est sympa. Ensuite, l'écharpe, voilà, l'écharpe du club, Spartak Prague, bon, je ne connais pas les chants, hein. Ok, et voilà, et Mimi, elle est sympatoche. Alors j'ai deux enfants, et donc bah, on a craqué, hein. On a acheté des petits pyjamas manches courtes, voilà, pour un pour un. Pour le garçon, tadam, voilà, et pour ma fille, tadam, ensuite, alors j'ai trouvé dans une boutique, alors nous allons le découvrir ensemble, hein, voilà, un jeu de cartes avec des joueurs de foot, voilà, de légende, donc bon, donc c'est un jeu de cartes classique, hein, sauf que là, bah, c'est des joueurs de foot de légende, hein, comme ils disent. Diego Armando Maradona, nous avons Raymond Coppa, Pelé, Johan Cruyff. Il existe là-bas des boutiques de souvenirs où ils vendent des poupées russes avec des équipes de foot. Et donc j'ai acheté celui du Paris Saint-Germain. Donc voilà, attention mesdames et messieurs, vous allez en prendre plein la vue parce que c'est très très ressemblant. Donc voici une poupée russe du Paris Saint-Germain. Et là nous avons Neymar Junior. Que se passe-t-il? Ensuite, nous avons le petit Kylian Mbappé. On enlève. Ensuite, nous avons le grand gardien de but, Gianluigi Buffon. Et le petit dernier, pas le petit dernier parce qu'il y en a encore un. Bah si, c'est ça. Ensuite, nous avons Edison Cavani. Et voici le tout petit Thiago Silva. Et voilà, donc cette petite vidéo est finie. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'oublie pas de laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Hein, et puis un petit partage aussi ne fera pas de mal. Et bon, malheureusement, je n'ai pas pu visiter le stade, donc j'ai quand même filmé un peu à l'extérieur, pris quelques photos que vous verrez à la fin de cette vidéo. Salut !